Moi, je t'ai parlé au Stade AWS de Milan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi. Et on va se retrouver cette fois-ci sur GTA 4 pour faire le défi. Si je meurs, la vidéo s'arrête. Alors, je dois par exemple faire du bordel dans la ville à collecter le plus d'étoiles possible. Bien sûr, juste sur le vieux PC hein, cette fois pour faire le défi. Et bien sûr, vous voyez, j'ai du bouclier, j'ai de la vie. Et mes armes, là, je les ai obtenues avec des codes de triche. Les indices de recherche, je vais les pas les augmenter avec des codes de triche, mais en faisant du bordel moi-même. Alors, on va commencer par tuer des gens. C'est parti. J'ai démarré le chronomètre. Dès que j'ai fait le premier tir, le chrono a démarré. Non, dès que la première étoile arrive. Là, je vois pas d'étoile. C'est vraiment problématique. On va causer plein de crimes dans la ville. Ah, voilà. Allez, 3 étoiles. Et j'ai pas le droit d'utiliser les codes de triche pour me régénérer. Parce que sinon, ça serait vraiment de la triche. Voilà. Allez, hop, lance-roquette. Pour éliminer la bagnole là-bas. Oula. Allez, hop, 4 étoiles. Regardez, j'ai fait ça toute ma vie. Non, je déconne. Alors, on ressort le MP5. Et on va essayer de collecter 6 étoiles pour le défi. D'ailleurs, plus tard, sur le même jeu, je vais vous faire un défi de collecter 6 étoiles et de survivre le plus longtemps possible sans se régénérer avec de l'électriche. Oh là là, les SWAT. Attendez, je sors mon lance-roquette. Voilà. Oh, des munitions. Oula, je vais mourir là, je vais mourir. Oula, je n'ai que un PV. Et je peux pas me régénérer, sinon ça serait de la triche là. Putain.